Je n'ai rien compris. Tu veux parler de la petite sœur de ta future épouse? Je parle de Hadiza. C'est pas possible. Mais je t'assure. Mais tu veux saboter ton mariage ou bien quoi? Mais ce n'est pas moi, c'est plutôt elle qui me provoque. Si Malika apprend ça, c'est fini entre vous. Voilà. Vraiment? Ah ouais. Oui. Ah ouais. Hey. Et puis les amis, il faut reconnaître aussi que Hadiza, elle porte des mini-jupes serrées. Alors chérie. Et tu vas bien? Comment tu vas? Ça va, merci. Ça va? Ça va. Regarde, quelque chose ici là. Ah non, ça va. J'ai oublié une blague. Préparatif, ça va. Eh bien, écoute, on se prépare, donc ça va. Ah ouais. Ok, bon, moi je parle encore okay, en ville. Ok, à tout à l'heure. Waouh! Il faut reconnaître qu'elle a un corps parfait. Ah. Une poitrine garnie. Non, ta belle-sœur est appétissante. Tiens! Les gars. Oui. Quand on est seul. Elle se colle à moi. La petite. Elle se penche, elle desserre ses cuisses pour que je vois tout. Et toi aussi tu regardes. Elle est amoureuse de toi. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Quoi? Quoi? Oui. Attendez. Elle m'a appelé ce matin pour me demander de venir immédiatement. Je pensais que c'était Malika qui était malade. Évidemment. Elle a profité au moment où sa sœur n'était pas à la maison. Voilà. Et ce n'est pas tout. Vas-y, vas-y raconte. Bonjour, bonjour. Bonjour, chérie. Alors, belle-sœur, tu vas bien? Ça va. Ça marche. Comment tu vas? Bon, ça peut aller. Elle est sortie, Malika? Oui, elle est sortie avec maman et elle est partie pour le serrage de sa robe de mariage. Ok, d'accord. En fait, je t'appelle pour que tu me donnes un coup de main. Parce oui? que je m'en sors pas toute seule avec les cartes de mariage. Mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux faire beaucoup. Ouais. Tu vois, nous sommes seuls dans la maison. Il n'y a personne. Et je tenais à te dire une chose. Oui? Malik, bientôt tu seras mariée avec ma soeur, mais moi je t'aime aussi. Et je t'ai toujours aimé d'ailleurs. Tu vois, et s'il te plaît, juste une seule fois, toi et moi. La seule et unique fois avant votre mariage. Je t'en prie, mon chéri, viens. Ne t'es pas loin. C'est pas possible. Tu as laissé passer l'occasion? Mais vous êtes pressé, hein? Ça, c'est un homme. J'ai cru que tu as fait l'habitude de te fuir. Mais laissez-moi vous raconter, non? Alors, Malik, mon cher beau-fils, ça va? Bonjour, ça va, vous allez bien? Je suis heureux que tu aies passé ce petit test avec succès. Et maintenant, je sais que tu es le meilleur homme pour ma fille Malika. Une fois de plus, félicitations. Et merci. Bienvenue dans la famille. À bientôt. Bon, bonne journée. Merci. Quelle chance. Voilà. Bon, voilà. Il faut que tu m'expliques une chose. Quoi? Pourquoi tu es sorti de la maison? C'est vrai. Pourquoi tu ne l'as pas suivi? Ah, les gars, mais attendez. Je sortais justement pour aller chercher mes préservatifs dans ma voiture. Quelle chance! Voilà. Il faut toujours garder ses préservatifs dans la voiture. Voilà.